Merde, j'enregistre. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux invités surprises. Vous connaissez cette invitée-là qui est Lily, ma fille. Et l'autre invitée, c'est Pauline, qui est la nièce de Peter Pan. Voilà, voilà. Et elle me suit sur tous les réseaux, surtout. Voilà, elle est fan. Donc, j'ai dit, on va faire la deuxième manche du Jelly Belly. Et je me suis dit, allez, on fait entre filles. Alors, pour être honnête avec vous, la première fois avec Fred, quand on l'avait fait, il en restait pas mal, mais je n'ai pas tous les parfums. Donc, le parfum vomi, il m'en reste plus qu'un. Donc, ça sera tiré au sort avec un autre aussi qui reste à l'identique. Donc, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les filles. Moi, je vais le faire aussi avec elle, mais j'ai pas tous les parfums non plus. Donc, au moment où on tirera chacun notre tour, je regarderai si je l'ai et on verra. Ça promet. Voilà. Alors, Pauline et Lisa, vous connaissez pas, moi je connais. Donc c'est parti. Donc, qui c'est qui commence? Tu. Tu as commencé? Non. Vous avez les cheveux là? Ah ouais, ouais. Au hasard, ferme les yeux, tu tires au hasard et après on prend s'il y a. Vert. Vert. Alors vert, c'est gazon tondu au citron. Attention. Attends, je passe le bon. Vert, vert, montrez les filles, on triche pas. Vert, vert. Crotte de nez. 1, 2, 3. Ah, citron. Citron. Ouais. Mâche. Ça vient peut-être après, Mimi. Gazon. Non. Gazon, ça vient peut-être après. Mâche. Mâche, mâche, mâche. C'est bon. C'est bon, gazon tondu. C'est quoi, papy, ton la pelouse. Ah, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas bon, hein? Citron, c'est bon, hein? Elle est partie chercher le verre d'eau. Et ça colle, hein? Ouais. Ça colle et c'est vachement sucré. Donc là, je le finis. Ah! C'est sucré, hein? À toi, Popo! Ah, j'ai encore le goût. Un bleu. Un bleu. Ah, vous savez, c'est le coup de Harpic de Monsieur Peter Pan. Alors moi, je l'ai, donc je vais pouvoir le faire avec vous. Bleu. Est-ce qu'on va avoir le goût de Harpic? 1, 2, 3. C'est dentifrice ou... Dentifrice. Ah, oh, moi aussi. Oh, c'est pas bon. Ah, c'est fort. Ah, ça sent le goût du médecin. Mais je peux pas l'avaler. Pourquoi il a dit que ça sentait le truc des chiottes, ton oncle? J'en ai déjà mangé des dentifrices en plus. C'est pas bon. C'est pas mauvais, hein. Ah, c'est pas mauvais. T'en as déjà mangé des trucs des chiottes, c'est ça? Mais non, des dentifrices. Voyons, je me lave les dents tous les jours avec, mais ça n'a pas le goût du dentifrice. Non. Non, je peux pas l'avaler en fait. T'as le droit de boire, vous pouvez, si tu veux. Non, oui, j'ai préparé. Ouais. Mais tu l'as craché, toi? Une bande de sopalin. Une bande de sopalin? Une autre. Une autre sopalin. Mais là, peut-être autre... maman qu'on le voit bien. C'est bien collé, collé. Bon, là, c'est à moi. Alors attends, moi, que je me mélange pas. Je veux pas prendre les deux œufs pourris, là, les machins, là. C'est fort, hein. Ouh, le marron. Ah, oh non, 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 pâté pour chien, pudding au chocolat. J'ai de mauvais souvenirs, la dernière fois j'avais pas été pour chien. Ah non. Un. Non, maman. Rapproche-toi, t'en vois pas. Deux. Oh, j'ai peur. Trois. Oh putain. Oh, oui. Ah. Oups. J'avais pas été pour chien. Je crois que c'est chocolat. Oh bon? Oh, t'as de la chance. Bah, crache encore. Ouais. Lisa, dépêche-toi, on perd là. Ah, mais je fais plus. Ah, bah, t'as pas goûté le pire. Hein. Ah, non, mais moi, moi je suis en train de. J'ai craché et puis j'en fous partout. Ah, bon. T'as pas craché, toi, Mimi? Si. Ah, si. Le Harpic. Oh, mais c'est pas bon. Hein. Ah, 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 c'est horrible. Je mets ça derrière. Moi, toi. Choisis le bon, Lisa, choisis le bon. Choisis une que j'ai pas en couleur. Oh, le blanc. J'ai encore. Celui-là. Le ça, blanc, ça va, alors c'est lingé de bébé, c'est pas ça? Noix de coco. Lingé de bébé ou noix de coco? Noix de coco. Voilà. Et Nine, rapproche-toi là.
1, 2, 3. Oh putain. Je sais pas. Oh putain. Oh pardon, punaise. Ah si, j'ai lâché pour bébé. J'ai lâché de bébé. Oh, moi aussi. Ah. Moi aussi, j'ai lâché de bébé, mais. Mais quoi? Mais toi, tu trouves ça bon? Petite dédicace à Sandrine, c'est des lingettes Mixa. Ah, c'est drôle, maman. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, hein? Oh. Ah, puis attendu, hein, vous avez pas vu le pire, les filles. Et vous êtes hors champ caméra, je suis toute seule. Chez vous. Mais moi, en fait, quand je croque, il y a directement le goût. Ouais. Donc, bah, c'est ce que je disais l'autre fois, tu croques, t'as... Je te jure, si j'ai le vomi, je ne mange pas. Vous êtes obligée. À toi, Coco. Oh non! Ah, je l'ai pas! Ah non! C'est crotte de nez au jus de poire! Allez, toutes les deux, venez là, les gamines! 1, 2, 3! Poire! Crotte de nez! Ah, mais c'est pas bon, poire! Ton oncle! Ton oncle, il disait que. Tout le monde mangeait ses crottes de nez quand ils étaient petits. C'est poire, mais c'est écœurant. Ah non. Excellent. Bon, c'est à moi. Donc moi, il m'en reste plus que... Ben... Ah ben non, j'ai fini en fait, c'est à toi. Parce que celui-là, non. Choisis un bon, s'il te plaît. F pourri ou popcorn? Allez, non, mes petites bichettes, popcorn ou F pourri. Donc, il se présente comme ceci. Hein. Je vous rappelle que le dernier, c'était Fred qui avait eu œuf pourri. Et ben, il l'a eu toute la journée dans la bouche. Ce soir, les filles, c'est pizza qu'on mange. Bon courage. Oh, non. Un, non. Deux. Et dis donc, toi, triche pas. Ah, voilà un œuf pourri. C'est ça, Mimi? Ou tu vas aller vomir? Je crois que j'ai le popcorn. Ou la tête, regardez-moi la tête. J'ai envie de pleurer. T'as envie de pleurer, ben quand même. Ouais, popcorn non plus. C'est bon, hein? Le popcorn, non, c'est... C'est pas popcorn? Si, mais... C'est pas terrible, maman. C'est trop sucré. Non, mais tout le monde dit que c'est pas bon. Non, c'est trop sucré, hein. Mais pas bon. Allez, à toi, papa. Bah, j'en ai plus qu'un. Voilà, puis après, on fera les deux. Alors, ah non, c'est chaussettes pourries. C'est normalement chaussettes puantes, tutti frutti. Avec des taches, vous voyez qu'on sent bien que c'est... À la une, à la deux... À la trois. À la trois. Je crache dans le bol. Non, du coup, je peux dans le bol, du donc. Tout est fouetté. Je crois que j'ai aussi. Chose. Tout est fouetté. Oh, ah, bien. Bah ça va alors. Regardez les filles, ce qui reste. Bien. Alors j'ai un vomi. Je suis désolée, donc je suis obligée. Et je reprends une chaussette puante. Donc là. Attention, il n'est pas encore fini. Secoué-moi, vomi. Chaussette puante. J'ai pas vu. Je me sens pas bien. La droite ou la gauche? La gauche. Oui. Ah bah ce sera peut-être pas chaud, ça sera peut-être pas vomi, hein. C'était pêche, hein. Donc c'est Popo qui a le orange qui est vomi. Et moi j'ai quoi? Elisa, bah normalement c'est chaussette puante, j'en avais pas deux. Je suis donc traumatisée. Là, t'as le tutti frutti, donc tu peux avoir les chaussettes puantes. Allez. Je vais dans le bol, hein. Oui. C'est bien mâché, hein, les filles. Voilà. Hein. Un, deux, trois. Putain, elles sont prêtes à dégueuler dans leur bol. Oh.
c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Maïli, qu'est-ce qui t'arrive? Chaussettes puantes et mon petit vomi. Hein, ça a vraiment le goût de vomi, hein? Oui. Dès que tu croques, t'as l'impression que ça te dégouline dans la bouche. Ah ouais, hein? Ah oui. Si tu peux aller vomir, hein. Si tu veux, t'as le droit d'aller vomir. Hein. Ah, c'est collé dans ma dent. Donc, voilà le petit smilette. Je vous avais dit que je reviendrai. Donc, je reviendrai avec Lily, mais je reviens aussi avec ma petite popo. Ben, faites-le parce que franchement, c'est trop délire. Comme je vous ai dit, faites-le pas en soirée. Ne buvez pas parce que c'est sûr que vous allez vomir, quoi. Faites-le avant de manger ou quoi que ce soit. Nous, on vient de s'enfiler une crêpe, hein. Donc, voilà, on a eu le temps de digérer quand même, hein. Mais je dis pas que je le ferai peut-être avec d'autres membres de ma famille, car j'ai ma sœur, deuxième sœur. Oh, ma tata Vanessa. Tata Vanessa qui est un pitre, qui souhaitait le faire. Donc, pourquoi pas? Donc, on verra bien. Voilà. Première. Alors, donc, pour Lily, c'est sa deuxième participation sur la chaîne de sa maman, hein. Oui. Yes. Contente. Oui. Ouais. Et c'est, vous allez être plus content quand vous allez vous voir en vidéo. Et ouais. Puis pour Popo, c'est pour la première. Mais bon, bah, il y en aura sûrement d'autres, hein, des petits tutos maquillage, parce qu'en plus, elle a 16 ans. Donc, c'est le bon âge aussi pour commencer à apprendre à se maquiller. Donc, vous devez avoir aussi des jeunes filles chez vous. Il y a aussi, je sais, des louloutes de cet âge-là qui me regardent. Donc, je me dis que pourquoi pas, ça pourrait être aussi des sujets à thème. Ça soit aussi bien sur l'école, sur le lycée, comment toi ça se passe, comment tu ressens, des petites choses comme ça, un peu plus intimes pour aider certaines jeunes filles. Et puis aussi au niveau du maquillage, car bah moi j'ai 40 ans, hein, j'ai plus 16 ans, donc je peux, hein, voilà, ça va pas trop le faire. Mais bon, bah voilà, donc je reviendrai. Si ça vous intéresse, dites-moi tout en dessous la barre d'infos. Vous puez de la bouche, les filles, c'est un truc de malade. Ah, vous allez vous laver les dents là avec Harpic, là, parce que là je peux plus. Voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt dans une autre vidéo. Smile. Smile.